est, je pense, tous ravis de, d'être ici, d'avoir donné de l'énergie pour cette organisation qui permet de clôturer notre parcours, mais aussi l'école. Et on est aussi ravis que ce festival soit l'occasion pour nous de vous partager nos chemins, nos parcours, de vous partager ce qu'on a pu vivre. Et on a hâte de vous retrouver. Pour vous expliquer l'intention de ce festival, pourquoi on a décidé d'organiser un festival qui s'appelle Place au Mycélium. L'EAV est né sous la forme d'une idée qui est passée à travers moi, venue de petites graines semées par des paysans et paysannes du monde entier, lors de mon tour du monde. L'idée s'est co-construite ensuite, tout d'abord avec Sarah Petro, qui n'est pas là, qui est co-fondatrice de l'école, et qui a vraiment transformé l'idée en quelque chose de concret et tangible, qui est aujourd'hui paysanne, pour ça qu'elle n'est pas là notamment. Et toutes les personnes qui ont fait partie de l'équipe ont aussi contribué à co-construire, et aussi tous les êtres vivants non humains ont participé à la co-construction. Vous toutes et tous avez aussi apporté votre fertilité à cette école farfelue, pour reprendre les mots de Léa. Une école de la relation, celle qui naît quand on ne sait pas, et qui naît aussi grâce à l'humilité de chacun chacune, et qui permet d'apprendre ensemble. On avait beaucoup d'émotions à vous voir tous et toutes ici présentes, parce que du coup je suis là aussi depuis le début, et ça fait vraiment une sensation de grande famille, enfin j'ai l'impression que la communauté est réunie et qu'il y a des représentants et représentantes de tout le monde, et c'est hyper plein d'émotions, et merci d'être là. Et voilà. En février, nous avons choisi collectivement en équipe de clôturer le projet du fait d'un manque d'énergie dans l'idée de poursuivre, un épuisement des troupes, notamment dû au fait de ne pas trouver de modèle économique viable et adapté à cette école en avance sur son temps, pour reprendre les mots de Christophe. Mais tout est cycle vie, mort, naissance, pour reprendre les mots de Pedro de la ferme écologique de Gorce. L'arbre de l'école d'agroécologie voyageuse tombe et ouvre une clairière. Quelles graines germeront de cette lumière et cette fertilité créée par cet arbre qui tombe? Salut l'EAV, toujours là après 3 ans pour partager des bons moments avec tous les amoureux de la terre et de la vie. Les mots me manquent pour décrire mon état émotionnel. Là, tout de suite, maintenant, tout le monde ou presque s'affaire pour rentrer chez soi. L'EAV a été pour moi une année d'une richesse phénoménale au niveau des rencontres, des connaissances acquises en agriculture et sur moi-même. Je me répète, mais je suis vraiment heureux d'avoir pu participer à cette vie du vivant et du vivre ensemble. Quelle joie, quel bonheur de sentir cette émulsion, cette énergie collective. Pendant un week-end, tout m'a semblé possible. Merci à ce festival de mettre en valeur le vivant, de lui redonner sa place au centre de tout. Merci pour cette année de révélation et de partage. J'ai vraiment grandi lors de cette année. Je serai toujours reconnaissante à toutes les personnes placées sur ma route durant cette année. Vous m'accompagnez chaque jour dans le développement de mon projet. Vous êtes présent dans mon cœur et mon esprit. Et vous me donnez de la force au quotidien. Merci à l'EAV pour tous les moments vécus et à vivre encore. Alors merci, merci pour 1 million de fois. Et ce n'est pas fini. Merci pour tous les amis. L'aventure commence à peine. À nous de faire en sorte que demain, nous continuions de bâtir. Merci. Gros bisous. Pensez à continuer à voyager et à semer pendant vos chemins. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bisous. Tout est cycle. L'arbre de l'école d'agroécologie voyageuse tombe et ouvre une clairière. Quelles graines germeront de cette lumière et cette fertilité créée par cet arbre qui tombe ?